Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec toute la nourriture de Fortnite chapitre 3 saison 1. Donc moi ce que je vais faire, c'est tout simplement aller à Greasy Groove, donc juste ici sur le gameplay, et là regardez, il y a énormément de caisses de nourriture que je vais pouvoir récolter. Donc je rentre dans le magasin, hop, dans le magasin de tacos, dans le snack tacos. Ensuite, je vais au fond du magasin. Et là, regardez, il y a des boîtes de nourriture. Ça, c'est compris comme nourriture ramassée sur le terrain. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ramassez toute la nourriture des caisses. Voilà, je vais ramasser toutes les nourritures que je vais pouvoir récolter. Ensuite, je descends. Et là, en bas aussi, il y a de la nourriture que je vais pouvoir récolter. Regardez, il y a encore deux caisses ici. Hop, on va les changer contre ça. Il y a encore une caisse, on va échanger des champignons. Il y a encore une caisse là, hop. Et on s'équipe de tout ce qu'on peut. Alors pour réaliser le défi et terminer le défi, vous allez devoir consommer 15 nourritures. Donc là, je vais consommer déjà 2 champignons. 1, 2, 3, 4 champignons, voilà. Je vais consommer 6 piments. Donc ça fait déjà 10 nourritures. Voilà. Ici, j'ai encore des pommes. Parfait. Hop, on va récupérer ça. Des pommes. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour consommer le reste de nourriture que j'ai ramassé, il va falloir que je m'inflige des dégâts. Donc, hop, on va créer une rampe de 5 d'auteur. 4, 5. Hop, on va sauter. Et on s'inflige des dégâts. Ensuite, ben, je mange les pommes. Donc, ça fait 2 pommes, 4 salades et 4 noix de coco. Donc voilà, avec tout ça, je pense que le défi sera terminé. Si vous mangez les 5 boîtes de nourriture que je viens de vous présenter, vous aurez facilement terminé le défi très rapidement. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire ma technique, mais je pense que c'est une des meilleures techniques pour réaliser ce défi très facilement et très rapidement. Enfin bref, quand vous aurez consommé 15 nourritures ramassées sur le terrain, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakulMec et ciao. Peace.